là je mets en place et après ça roule. Bernard Murraveau, 51 ans, est fromager. Son commerce, dans le centre-ville de Grenoble, est un petit phénomène. C'est parti pour une grosse journée. Hein. C'est le week-end, là, Bernard ? Ça y est, c'est le week-end, c'est parti. Faut être en forme et on est en place. Les jeunes sont là, ils arrivent, là. Le vendredi et le samedi, il réalise la moitié de son chiffre d'affaires de la semaine. Et pour ce commerçant dans l'âme, chaque détail compte. Un bon magasin, faut pas qu'il ait de porte. Donc nous, on n'a pas de porte. Tu fais pas l'effet de pousser la porte pour rentrer. Faut que le client, il rentre comme ça. Pas qu'il y ait une porte. Si jamais tu pousses la porte, c'est que tu vas acheter. C'est de loin le plus gros fromager de la ville. Tu vas bien ? Enzo, t'en passes ? Ouais. Dans cette boutique, il arrive à réaliser un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros. Une fois douché et changé, pour bien commencer sa journée, il a ses petites habitudes. Travail, ne me fais pas peur, je suis un peu décorateur. C'est Aznavour. Un peu. Ah, rien qui se passe à Aznavour ici. Malgré la décontraction ambiante, ici, tout est pensé pour vous faire dépenser un maximum. Et ça commence par la vitrine. Je suis artiste. Quand les gens passent dans la rue, il faut quelque chose qui vous attrape l'œil. Si jamais tu passes, tu vois de la couleur, tu dis qu'est-ce que c'est ce GG. Et bien là, t'es pas rentré, je veux dire, t'es pas encore rentré dans le magasin, mais tu peux toucher le fromage. Et ça, c'est vachement important. Des produits surprenants, comme ce fromage vert au pesto, ou cet homme rouge, tomate basilic. Les fromages qu'il vend le plus, Bernard n'a pas besoin de les mettre en évidence, comme le Comté entreposé derrière les vitrines, ou le Saint-Félicien. C'est le Saint-Félicien, là il est complètement caché quoi. Là on le voit là, il est caché, mais on en vend des centaines par jour. Des centaines par jour. Ah ouais, les Saint-Félicien c'est des grosses ventes. Et le client il dit pas où est le Saint-Félicien, il dit donnez-moi un Saint-Félicien, il regarde même pas. À l'autre bout de la vitrine, pour gonfler encore l'addition, notre fromager parie sur l'achat d'impulsion. Effectivement, quand le client il a fini de faire ses achats, il se dirige vers la caisse pour l'encaissement, c'est vrai qu'il arrive là et puis bah, il y a toujours les petites choses qui sont là. C'est comme les têtes de gondole quand t'es au supermarché, t'as les machins, les bonbons, les merdes. Je veux dire, là, c'est pareil, là, bah tiens, mettez-moi celui-là en dernier, quoi, je veux dire. Parce que ça... Pour faire tourner sa boutique, Bernard s'appuie sur sa femme, Mireille, qui tient la caisse. Elle est payée 2000 euros net par mois. Il y a aussi Renaud, son fils. Master Ocuma. Il vient de finir des études commerciales et il est venu donner un coup de main pour quelques mois. Au total, 6 salariés travaillent ici, 35 heures par semaine. Comme chaque vendredi avant le déjeuner, il y a la queue jusque sur le trottoir. La machine commerciale se met en route. Et voilà qui est parfait. 7,14 euros. Oh là là, c'est impeccable. Et pour vendre, ce fromager haut en couleur joue la carte de la convivialité. Ici, les clients ont l'embarras du choix. Près de 250 variétés de fromages. C'est deux fois plus que la moyenne des références des fromageries françaises. Pour inciter encore à la consommation, le fromager fait goûter à tour de bras. Il a compris comment faire revenir notre fille et donc nous par la même occasion. Une vieille recette qui marche toujours. Ce jeune couple craque pour deux gros morceaux de raclette, du bleu et du comté déjà emballés. Quatre morceaux de fromage. Pour une addition plutôt salée. Hop, donc 28,69, s'il vous plaît. Ici, chez Bernard Murraveau, les clients repartent en moyenne avec 25 euros de fromage. Ce sont des bons vendeurs. Ouais, ils ont réussi à nous entraîner dans des territoires insoupçonnés. Merci beaucoup. Des territoires tellement insoupçonnés que le fromager arrive même à vendre de la charcuterie pour accompagner ses raclettes. Moi, on me surnomme Joe la charcute ici. Enzo, charcutier de père en fils depuis 1995. Chaque semaine, le commerçant en écoule pour 3000 euros. Et dans sa boutique, les clients paient de bon cœur, car Bernard Murraveau a l'art de faire passer la facture. Sur le ticket, pour chaque fromage vendu, il y a une suggestion de recette, mais aussi une proposition de vin pour accompagner au mieux son fromage. Comme ce Cantal Salers à déguster avec un Hermitage blanc, ou ce Trou du Cru, accompagné d'un Bourgogne type Clos Vougeot.
Tu vas chez les clients, le ticket de caisse, il est sur le frigo. Et quand il faut à manger, il regarde la recette. Vous les utilisez, ces recettes, ou... Tu les lis, mes tickets de caisse, toi, hein? Eh ben, souvent, pour les vins. Tu les lis, mes tickets de caisse, plus ils pour sont les chez toi. Ils sont chez toi, sur le frigo. Oui. Souvent. Oui. À midi, face à la foule, le fromager doit carrément baisser le rideau de fer pour empêcher les nouveaux clients de rentrer. On ne foule pas les clients. On veut aller manger. Les jeunes ont besoin d'aller manger. Depuis 5h ce matin, ils sont là. Donc effectivement, midi et demi, on ferme le rideau. On sert les clients qui sont dans le magasin. On les fait sortir par derrière. On ne connaît pas la crise. Allez, bon week-end. Merci. Les clients sortent par la porte de service. Mais comment Bernard Muraveau a-t-il atteint un tel niveau de succès? Aujourd'hui, le fromager vit dans la banlieue chic de Grenoble. C'est l'heure du déjeuner. Bernard est au fourneau. Le dimanche, c'est lui qui gère. Si c'est pas raclette, c'est gratin dauphinois. Même en week-end, en famille, il cherche de nouvelles astuces pour son petit commerce. Comme cette manière originale de servir la fondue qu'il a repérée lors d'un voyage en Suisse. On a vu des gens qui faisaient une fondue savoyarde, non pas dans un caclon, ils la servaient dans du pain. Un pain surprise en guise de marmite à fondue. Le fromager voit dans ses petits pains un potentiel best-seller pour sa boutique. Et voilà le nouveau Kekland de la fromagerie des Alpages. Il profite de ce déjeuner de famille pour roder son argumentaire de vente. Et regarde, tu peux casser, tu peux t'en servir. Voilà, hein, et on n'a pas besoin de pain. Parce que le pain, il est là. Tu peux voilà. Détruire le caclon au fur et à mesure que ça descend. Ouais, complètement, tu casses autour. Quand le fromage fond, mais c'est vachement plus pratique pour la vaisselle. Et dire que pendant toute sa jeunesse, Bernard Muraveau n'avait pas grand-chose à faire du fromage. Ce fils d'ouvrier a découvert ce produit à 15 ans, quand il a rencontré sa femme. Il a connu le fromage, en fait, en débarquant dans la famille. Grâce aux parents de Mireille. Parce que mes parents sont savoyards, ils adorent le fromage. C'est un peu par hasard et sans aucun diplôme qu'il commence à vendre du fromage. Comme beaucoup de professionnels du secteur, il apprend le métier sur le tas. Et à 20 ans, il ouvre sa propre fromagerie. Passionné, en 2007, il se présente au championnat du monde des fromagers. C'est moi le chauve qui sert. Découpe, présentation, argumentaire de vente, 16 pays s'affrontent lors de 6 épreuves. Bernard remporte la victoire. Je suis dedans, là. Une consécration très émouvante pour cet autodidacte. Vous pensez à toi quand vous voyez ces images une fois que vous êtes ému. La pression qu'on a eue, le professionnalisme, le pas le droit à l'erreur, la rigueur, les entraînements le soir ici, tout, quoi. C'est, voilà, c'est un tout. Bernard devient la même année meilleur ouvrier de France. Depuis qu'il a obtenu ses distinctions, le fromager joue la carte du haut de gamme. À plus de 2000 mètres d'altitude, au-dessus des montagnes de l'Isère, Bernard Muraveau n'est pas en balade. Le fromage qu'il transporte à l'arrière, il espère bien le vendre au-delà de ses sommets, à l'Alpe d'Huez. Alors que la station n'est pas encore ouverte, Bernard se rend dans ce chalet où va s'ouvrir un restaurant d'altitude, plutôt raffiné. Quelqu'un ? Bonjour. Comment on va ? Sur un pour toi. Allez, Hervé est un fidèle de sa boutique de Grenoble depuis 20 ans. À droite, là-bas, sur bar. Il a choisi son fromager pour l'aider à composer sa carte. Je ne veux pas trop partir sur de l'industriel ou des choses un petit peu de grande distribution. Je veux vraiment que ce soit quand même plutôt une bonne table et du coup que les gens trouvent des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Bernard lui propose une sélection de fromages. Les gens qui sont ici sont... Celui-là, il a une bonne tête. C'est quoi celui-là ? Brebis. Brebis ? Pastaro de Cabas. Fromage de brebis qui se mange avec toi, ça c'est bien. Et toi, c'est de la brebis. Ah, c'est excellent. C'est très sympa. Il y aura les fromages servis en plateau, mais aussi de la raclette qui sort de l'ordinaire. Il est en bas dans le sac. On a raclette à la truffe qui marche super bien.
On a la fenugrec, quand ça fond, ça prend le goût de la noisette. On a échalote, on a chèvre, on a brebis. Pas trop, trop en mettre parce que. Ouais, bah oui, parce qu'il y avait rationnellement, ouais, c'est pas possible. Tout à fait. Sur la saison, Bernard Muravo va vendre une tonne de fromage à ce restaurateur. Je m'en régale. Pour un chiffre d'affaires de près de 20 000 euros. Ouais, c'est 28 mois d'effinage. Mais à jouer ainsi la montée en gamme, le fromager n'a-t-il pas tendance à déraper sur les prix? En fait, dans sa boutique, on fait de bonnes et de moins bonnes affaires. Comme par exemple avec la raclette. Des raclettes au lait cru, voilà, de Savoie, ça c'est de la belle qualité. Toi. Grâce aux quantités qu'il écoule, Bernard obtient un bon prix d'achat. Effectivement, on a regardé pour la raclette de Savoie au lait cru. Effectivement, on achète 7,40 et il me fait un petit tarif promotionnel pour la raclette. Cette raclette classique, Bernard la revend 12,90 euros le kilo. On n'a pas une grosse marge sur la raclette, on en vend énormément. C'est un peu, je ne vais pas dire un produit d'appel, c'est pas le truc que j'aime dire, mais on sait qu'on est hyper bien placé sur la raclette. Donc c'est vrai pour gagner plus d'argent, son astuce, c'est de proposer avec un autre fromage. On compose avec un truc très original qui font super bien aussi, c'est un bleu. Donc effectivement... Là, la marge est plus importante. Voilà, on va dire que quelque part, l'un fait l'autre. Le bleu, on l'achète 6,20 € et on le vend 14,95. Sur ce bleu, la marge est 40% plus importante. Mais comment ce petit commerçant se positionne-t-il en termes de prix? N'est-il pas trop distancé par ses concurrents, notamment la grande distribution? C'est ce que nous avons voulu vérifier en nous rendant au rayon découpe de cet hypermarché. Le brie de Meaux est vendu 19,62 euros le kilo chez Bernard. C'est 6 euros plus cher que dans la grande surface. Mais la raclette au lait cru, produit d'appel pour lui, est affichée 12,90 euros le kilo dans son magasin, contre 13,50 euros au supermarché. Même constat sur le Roquefort, vendu 20,90 euros le kilo en boutique, contre 21,20 euros à l'hyper. En fait, ce qui sauve Bernard Muravo, c'est qu'il achète en grande quantité directement chez les producteurs. Il évite les intermédiaires et reste donc compétitif. Une méthode dont il récolte les fruits en fin de journée. À l'heure de faire les comptes, le petit commerçant est plus que satisfait. Alors, verdict ? Ça s'appelle le journal des ventes. C'est tout ce que tu as vendu dans la journée. Et on a fait 300 clients. Toi, 7500. Bon, on n'est pas compte, c'est énorme. C'est ce que font les gens en une semaine. Sur l'année, la fromagerie Les Alpages réalise un chiffre d'affaires 4 fois supérieur à la moyenne des fromageries françaises. Bernard rêverait de pousser encore un peu plus loin son avantage, en vendant plus l'un des produits les plus chers de sa boutique, le Comté, affiné 24 mois et qu'il vend près de 26 euros le kilo. Mais là, il fait face à un obstacle. Le Comté est produit à 3 heures de route de Grenoble, dans le Jura. Tout le problème de Bernard, c'est qu'il vend uniquement du haut de gamme, produit en quantité limitée. Le Comté bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. Sa fabrication doit être réalisée dans un rayon de 25 km autour du village de Saint-Antoine, avec le lait de ses vaches, les Montbéliardes. Un lait vendu 2 fois plus cher le litre que le lait normal. Comme Bernard Muravo le constate à chaque visite, le cahier des charges est très strict. Là, c'est les crus 2015 qu'on va nous commercialiser fin 2016 et 2017. Claude Kerry travaille pour l'entreprise Marcel Petit. C'est le numéro 2 du secteur. Ici, le processus est toujours le même. Les agriculteurs viennent apporter le lait ici. Il est pesé. Du pèse-lait, on va le mettre ensuite dans la cuve. Pour sortir 1 kg de Comté, il faut 10 litres de lait. Un lait qui est d'abord chauffé pour séparer la pâte du petit lait. Le fromage est ensuite cuit à 57 degrés. Puis, aspiré pour finir dans ses moules. Là, c'est vraiment la naissance du Comté. On a pratiquement son volume. Le moule va donner sa forme. Et c'est la phase importante, hein. C'est l'accouchement du fromage, là. Mais ce n'est pas le plus gros du travail. Loin de là. Tout se passe ensuite, pendant de longs mois, dans cet ancien fort aménagé en cathédrale d'affinage. Sous 6 mètres de hauteur, il y a ici 100 000 meules qui vieillissent, soit un trésor estimé à 40 millions d'euros.
Certaines, vendues très jeunes, partiront en grande surface. Mais celles que veut Bernard, ce sont ces meules, affinées pendant 24 mois. Avant chaque expédition, le fromage est sondé à l'aide de ce petit marteau, puis goûté. On voit que la pâte est grasse, la pâte est jaune. En gros, on est déjà hyper long en bouche. Mais est-ce qu'il est arrivé à maturité, à son optimum ? On n'est pas encore sur un fromage qui s'exprime totalement en voie, qu'il a encore besoin d'aller un peu plus loin. Et là, chaque fromage qu'on goûte... Cette production patiente n'augmente quasiment pas d'année en année. Cette saison, Bernard voudrait acheter 200 meules contre 140 l'an passé. Et il ne veut pas se fournir chez un autre producteur. Va-t-il obtenir ce qu'il veut auprès du commercial de la marque ? Si tu pouvais en mettre 200, ouais, 200, ça m'arrangerait, parce qu'effectivement, tu sais très bien que les vins qui vont me rester, tu le sais que je vais les vendre, mais bon, faut que... Malheureusement, le stock aujourd'hui et le cru 2013 en niveau disponibilité fait qu'on ne pourra peut-être pas monter à 200. Il n'y a rien à faire. Bernard Muravo devra s'en contenter. On est souvent dans des petits bras de fer téléphonique ou en face-à-face. Le truc, c'est que la production n'est pas exponentielle. Donc aujourd'hui, nous, on est limité en termes d'offres aux clients. De la production. S'il ne peut pas aller plus loin sur le comté, notre fromager a trouvé un autre moyen d'augmenter ses ventes. Grenoble, 8h du matin. Je vais en mettre un petit coup dessus, petit. Dans sa boutique, Bernard Muravo s'apprête à réceptionner une livraison à laquelle on ne s'attend pas. Allez, go! C'est un peu lourd, c'est bon ? Non, ça va. Par contre, ça c'est une autre matière première. C'est pas du fromage, mais pour nous, c'est un truc hyper important. C'est des rondins. Toutes nos présentations sont là-dessus. Des rondins de bois en guise de plateau achetés 1 euro pièce que le fromager offre à ses clients et qui sont devenus sa marque de fabrique. On a tout fait pour que les gens reconnaissent le plateau de loin. C'est une publicité ambulante, c'est du marketing. Quoi. Dessus, il dispose de petits morceaux de fromage qui constituent des plateaux plutôt spectaculaires. Chaque année, Bernard en vend près de 15 000. Ce qui lui permet d'augmenter son chiffre d'affaires et en plus de rajeunir sa clientèle. À l'image de Marion et Lisa, 23 ans. Alors les impératifs, les filles, Saint-Marcelin. Rien avec du bleu là. Les deux étudiantes organisent une petite soirée entre copines. Bleu de l'accueil, Puy-de-Dôme, Saint-Marcelin, Tome de Savoie, Petit Cher. Bernard leur propose 9 variétés, près de 800 grammes de fromage pour moins de 20 euros. 19,65. On est 5-6, donc ça coûte moins cher qu'un restaurant. On fait un charcuterie, fromage, vin. Au final, on divise et en général... C'est sympa. Ouais, c'est plus sympa. Mais au final, avec ses nouvelles clientes, mais aussi ses nombreux habitués, combien Bernard Muravo gagne-t-il ? Sur un chiffre d'affaires d'1 500 000 euros, le fromager en reverse 950 000 à ses fournisseurs qu'il approvisionne en fromage. Ses employés lui coûtent 165 000 euros par an. Il a également 217 000 euros de charges, dont le loyer de sa boutique, et 100 000 euros d'impôts. Au final, Bernard a réalisé l'an dernier 68 000 euros nets de bénéfices. Ce seraient ses seuls revenus, qui représente 5600 euros net par mois. Pas mal pour un fromager, ce qui ne l'empêche pas d'être à l'affût de la moindre économie. Cette pâte à tartiner, vendue 18,95 euros le kilo, c'est la pétafine. Une préparation réalisée à partir des vieux fromages du magasin. Car chez Bernard Muravo, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est René, 78 ans, qui s'y colle. Elle nous livre ses petits secrets de fabrication. Il y a de l'ail, du sel, de l'eau de vie. Et quand elle est un peu dure, je mets de la crème fraîche ou des fromages blancs. De la bouteille, mère. Non, je ne vous conseille pas. Tiens, c'est... La maman de Bernard préfère ne pas y goûter. C'est-à-dire que j'aime pas tellement le fromage. S'il mise sur les vieilles recettes, le fromager se tourne aussi vers l'avenir. Pour augmenter encore son chiffre d'affaires, le commerçant va bientôt lancer un site de vente de fromage à distance.
Il espère en vendre pour 5 000 euros par mois.